comment ça va? Moi, ça va bien. Et vous? Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, je vais encore parler des solutions que nous devons tous apporter pour le chômage. Vous pouvez mettre en commentaire les solutions que vous savez, que vous connaissez, pour qu'on puisse tous en parler, apporter notre aide comme on le peut, notre soutien à la jeunesse et aux adultes qui ont perdu leur emploi. Oui, car vous savez, c'est l'emploi qui fait vivre les gens, c'est l'emploi qui aide les gens à avoir un salaire, et par la suite, ce salaire est utilisé pour payer leurs dépenses et aussi les factures. Donc, c'est un sujet qui est très, très important. Si nous, on est bien, si nous, on n'a pas de problème, il y a beaucoup de personnes qui en ont. Et nous sommes là pour apporter les solutions et les aider afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Donc, mettez en commentaire les solutions que vous avez pour le chômage. Mettez en commentaire, abonnez-vous, cliquez sur abonner, c'est gratuit. Et nous allons aborder le sujet comme on le fait d'habitude. Il faut toujours, toujours en parler pour, afin que les choses puissent progresser et avancer. On veut la réussite pour tout le monde. Donc, les solutions que nous avons. Bon, donc on parle toujours de l'agriculture, l'élevage, pisciculture, apiculture. Donc, pour d'autres solutions, c'est aussi le commerce. Les commerces sur les marchés, pour que les jeunes puissent être indépendants, avoir le PMI, petite moyenne entreprise, s'en sortir, et aussi dans le bâtiment. Il y a beaucoup de personnes qui construisent, donc en général, ils recherchent de la main-d'œuvre pour les jeunes qui sont physiquement courageux, peuvent aller postuler dans les bâtiments, dans les agences, pour pouvoir accéder à ce poste. Oui, je vous encourage à le faire, car si nous n'avons pas d'autre choix, nous devons nous contenter de ce qui est disponible pour l'instant, afin de trouver mieux plus tard. Tout cela sera une amélioration dans le futur. C'est pour cela que je vous invite tous à apporter des solutions. Nous avons les infrastructures aussi qui marchent. Le tourisme, ben en ce moment, pas beaucoup parce que, vous savez, mais il faut aussi voir beaucoup dans la restauration. Car les personnes ou même les travailleurs dans les grands quartiers de bureaux ont toujours besoin de s'alimenter. Donc, il faut essayer de miser aussi du côté de la restauration. Oui, c'est très important. Il faut aussi voir dans les horizons, dans les villages, pour aider certaines personnes qui ont les moyens, mais qui sont illettrées, côté informatique. Il faut miser sur l'informatique pour aider ces personnes-là. Et ça va faire que vous aurez aussi des petits sous pour pouvoir vous en sortir. Et pourquoi pas un salaire si vous arrivez à faire un cyber informatique, ça va beaucoup aider. Vous savez, l'informatique n'arrête pas de progresser, donc il y a beaucoup de travail dans ce domaine. Il faut vous lancer, créer votre petite entreprise. Petit à petit, ça va monter et vous allez voir que le résultat sera positif pour vous. N'hésitez pas à vous lancer et au bout, vous serez gagnant. Voilà la vidéo que je voulais faire. Mettez les solutions que vous avez en commentaire pour que je puisse le mettre visiblement les personnes qui y ont besoin. N'hésitez pas, mettez les commentaires et nous serons toujours là pour s'entraider. Voilà les amis, la vidéo que je voulais faire. Partagez massivement, abonnez-vous, likez, commentez. C'est très important de mettre en commentaire pour avoir plusieurs idées. C'est ensemble que nous trouvons les solutions, c'est ensemble que nous avançons. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.